Salut à tous, c'est Katoun. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul énorme de chez Action. Ça faisait très longtemps que je ne vous avais pas présenté un haul d'Action. Mais là, c'est spécial Noël. Alors, je vous le présente début décembre. Mais tout ce que je vais vous montrer là, c'est encore en vente. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas disparaître tout de suite. Ce sont des choses plutôt basiques. Et si votre Action est souvent livrée, ça devrait aller. C'est parti. J'ai acheté une guirlande rouge. Alors j'ai pas les prix, les tickets de caisse, c'est mon mari qui les prend, qui fait je ne sais quoi avec. Je crois que ça c'était 1,25€ la guirlande rouge avec des étoiles. Je vous avouerai que c'est assez cher pour des guirlandes chez Action. Mais je vais m'en servir pour faire une couronne de Noël. Et il y avait aussi ça en paille. Alors j'ai pas trouvé un autre support que paille. Un gros anneau comme ça. Je vais la bomber en doré ou en verte et l'encercler avec une guirlande en façon faux sapin. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais envie de faire ma guirlande cette année, mais il n'y avait que ça. On va essayer de se débrouiller. Ensuite, j'ai acheté des petits décors comme ça. Donc, patins, gants, c'est quoi ça? Chaussettes. Les bonnets, ski et traîneau. Je vais les mettre sur ma couronne. Il y avait aussi des étoiles à fixer par ventouse sur les fenêtres et c'est lumineux. Ça fait ça. Je sais pas quelle couleur j'ai pris moi. Ça change en fait, ça évolue selon je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça évolue. Donc ça se ventouse. Vous avez la ventouse à l'intérieur. J'en ai pris 3 pour ma cuisine. Ça, c'est très utile hein, pour les cadeaux quand vous envoyez foncer hein, parce que ça coûte assez cher. J'ai pris ce petit accessoire, ce petit ange, petite fée, je ne sais pas trop. Je voulais le mettre aussi sur ma couronne de Noël. Au centre, comme ça. Oh, ça va être trop chou. Ma couronne, j'ai envie de la faire rouge et verte. Bon, elle est bleue, mais il n'y avait pas d'autres couleurs. Je vais aussi mettre des accents de argenté avec les petites boules comme ça. Et j'ai pris un tout petit sapin. Voilà, pour faire un petit décor ici. Voilà, parfait. Il y avait de la fausse neige. Donc ça, pareil, quand vous envoyez foncer, prenez-la. C'est du neige en bombe. Je vais aussi bomber bah, quand j'aurai mis ma guirlande en fausse épine de sapin. J'ai envie de la bomber. Il y avait un kit de chocolat pour, vous savez, les tasses. Ça fait un petit chocolat chaud. Chocolat au lait décoré. Et vous avez plusieurs sortes. Moi, j'ai pris celle-ci. Pourquoi pas. Vous avez des crochets également pour les boules. Comment ça s'appelle ? Attache boule. Voilà, il y en a 50 dedans et c'est en argent. Si vous cherchez des accroches pour les couronnes, moi j'en ai pas trouvé. Je ne sais pas si ça se vend chez Action, mais c'est une vraie galère pour en trouver. J'ai cherché un peu partout, j'en ai pas trouvé. J'en ai commandé sur Amazon, donc on verra bien. Et j'ai aussi acheté un sur Leroy Merlin, mais c'est juste une patère. Donc j'espère que ça va aller. C'est incroyable. Ils vendent des couronnes en magasin, mais ils vendent pas le support. Bref. J'ai acheté les très célèbres Candy Cane. Vous en avez 12 à l'intérieur. Elles sont très bonnes. Moi, j'aime beaucoup. Vous avez des petits trucs à décorer. Je fais le plein aussi des petites poches en papier, des sacs. Appelez ça quand vous voulez, où vous vous trouvez. Ça, c'était moins d'un euro. C'était vraiment intéressant. Quand on en veut, on n'en trouve pas. Et là, ben, j'ai saisi la balle au bon. Vous avez la version Cerf, Cerf pour ceux qui habitent dans le Nord. Très jolie. Ah mais j'ai pris 2 cerfs, c'est comme ça. J'ai pris le sapin de Noël et j'ai pris la petite chaussette de Noël. Voilà, ça c'était moins d'un euro, je crois que c'était même moins de 50 centimes. De la marque Winnie, il y avait ce petit truc, il y en a pas mal à l'intérieur, il y en a combien? Il y en a 6. Donc les Winnie, c'est au beurre de cacahuète, c'est emballé et c'est en forme de sapin si j'ai bien compris. Oui, très bien. Ça, ça coûtait 3 euros. C'est un peu plus cher parce que le Lucy, c'est des gâteaux américains.
Voilà, j'ai également pris des petits Kit Kat en forme de Père Noël. Oui, c'est ça, Père Noël. J'en avais trois à l'intérieur et c'est aussi des sachets individuels. Ça, c'est très bien pour offrir. On va continuer dans les friandises et les terminer. J'ai pris les Milka aux dents. Ils sont trop bons, ceux-là, c'est mes préférés. Ça coûte quand même moins cher de les acheter chez Action que chez Leclerc, Carrefour, enfin, qui vous voulez. Et j'ai aussi pris d'Action dents. Je les adore, ceux-là. Chaque fois, je les rachète. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, il y a des pousse-mousse là, vous savez, les trucs pour se laver les mains. Non mais regardez-moi ça. Reine et bonhomme de neige. Alors ça, ça coûte assez cher, ça coûte 2 euros. Je ne sais même pas ce que ça sent à l'intérieur. Mais bon, je me dis, je l'achète une fois. Tous les ans, je le remets en place. Bon, c'est un parfum très basique en fait, il n'y a pas d'odeur particulière. Donc ça, je les mets en place une fois et après, bon, vous remplissez avec ce que vous voulez. Et ça fera les autres années. Celui-ci sent quoi? Ouais, ça sent la crème tout simplement. Donc vous voyez, c'est plus pour le packaging. Un pour ma salle de bain. Voilà. Et un pour ma cuisine. Oh, ils sont trop cracou. Vous avez aussi pingouin, Père Noël. Je crois qu'il y en a plusieurs. C'est aussi l'occasion d'acheter des cartes de Noël. Elles sont vraiment très jolies. Est-ce que celle-ci, elle chante? Non, elle chante pas. Vous avez la carte qui va avec, enfin l'enveloppe. J'ai aussi pris celle-ci. Voilà. Et enfin, celle-ci. Trop mignonne. Trop mignonne. J'ai bientôt fini. Ah oui, j'ai pris cette petite décoration là. Un petit nœud. Vous avez, je crois qu'il n'y a plus argent. Enfin, moi, j'avais que argent dans mon Action. C'est pour accrocher en haut de ma... Oh bah c'est parfait. Voilà, parfait. En haut de ma couronne. J'ai aussi pris des guirlandes lumineuses à piles. Alors celles-là sont multicolores. Mais je me dis que dans ma couronne, ça ira très bien. Ça, je crois que c'était moins... Ouais, je crois que c'était moins de 50 centimes. Et enfin, ça c'est pas des décos de Noël. Mais ça peut être, comment dire, un accessoire à mettre pour Noël. Beauté, donc ce sont des faux ongles, mais là vous voyez, avec une pastille comme les Impress de chez Kiss, mais là en version Action. Donc j'ai acheté le kit bleu et le kit rouge, elle est aussi en version neutre et en version noire et argentée. Bah moi j'ai pris un chaque. Écoutez, je pense que je vais tester, on verra bien ce que ça donne. J'ai terminé, mon sac est vide, ma poche est vide. Ouais, j'en ai eu pour assez cher, mais comme j'ai un projet, j'ai oublié de vous présenter des papiers cadeaux. C'est aussi l'occasion pour vous, à Action, d'acheter des papiers cadeaux. Ils sont merveilleuses, mes petites boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Voilà, petit haul terminé. J'espère que ça vous a plu, ça change un peu. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait un haul spécial Action. Merci de m'avoir suivi. Passez de bonnes fêtes en famille. Je vous embrasse et à très bientôt.